nous suivre sur Internet. Sur ma route, je chanterai. Chanter ces chants. Et fidèle. Le Seigneur est ici. Connecte, soyez déjà bénis en Europe, en Amérique, dans les îles, en Afrique, soyez bénis, élevez vos mains là où vous êtes. Tous ensemble dans mon parcours, alléluia. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche, dans ma marche sur la terre, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes. Sur ma route, sur ma route, sur ma route je chanterai, sur la route je chanterai, tu es fidèle. Chante Emmanuel bien-aimé. Say it again.
fidèle. Gloire à Dieu. Je chanterai. Je chanterai. Accompagné avec la musique. Gloire au Seigneur, nous reprenons nos places. Nous reprenons nos places. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer les noms du Seigneur? Je voudrais une offrande d'acclamation au nom du Seigneur, la présence de Dieu. La présence du Seigneur est tellement forte que nous continuons à inviter, à encourager nos frères et sœurs qui nous suivent à travers le monde de pouvoir s'abonner. Si on peut turn off tous les microphones, laissez juste le mien s'il vous plaît, turn off everything. C'est juste le mien. La présence du Seigneur, elle est ici, elle est forte, elle est là pour nous faire du bien. Qui dit amen? Non, donne-moi un bon amen. J'ai commencé une série d'enseignements sur l'amour, où nous avons partagé sur l'amour de Dieu envers nous. Et nous avons vu également notre amour envers Dieu. Notre amour envers Dieu est une réponse de l'amour que le Seigneur a eu à témoigner envers nous. Et j'ai eu le temps d'expliquer cela le dimanche passé. Nous avons vu avec vous que aimer Dieu, c'est aimer son temple. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur si tu n'as pas du zèle ou de la motivation pour l'œuvre de Dieu, pour la maison du Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur si les choses qui se passent au sein de la maison de Dieu ne t'intéressent pas du tout. Quand tu diras avec ta bouche que tu aimes le Seigneur,
et que les choses qui se passent dans la maison de Dieu ne t'intéressent pas, tu es un menteur, tu n'aimes pas Dieu, parce que aimer Dieu, c'est se préoccuper de sa maison. Qui dit amen? Aimer Dieu, c'est avoir du zèle pour sa maison. Et on a vu avec vous différents versets bibliques qui ont soutenu cette thèse-là. Dans le psaume même, David dira, « Les ailes de ta maison me dévorent. » Donc suivez-moi ici parce que c'est l'heure de la parole. « Les ailes de la maison me dévorent. » You know? Et David pouvait dire, « Je suis dans la joie quand on me dit, « Allons dans la maison du Seigneur. » Donc quelqu'un qui dit qu'il aime le Seigneur, il doit manifester de l'empressement. Il doit manifester du zèle. Il doit manifester de la motivation par rapport à l'œuvre du Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu regardes l'œuvre de Dieu juste comme ça avec les yeux et les choses de la maison de Dieu ne te disent rien. Par exemple, le paiement du loyer, ça te dit rien du tout. You know, prendre soin de la propriété de ces temples, de cet endroit, ça te dit rien du tout. Mais tu dis que tu aimes le Seigneur. Non, non, tu n'aimes pas Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur. Et en venant à l'église, tu ne veux pas faire quelque chose pour le Seigneur. Tu ne veux occuper aucune responsabilité. Tu n'es dans en aucun département de l'église. Mais tu dis que tu aimes le Seigneur. Non, non, tu ne l'aimes pas. Parce qu'après avoir rencontré ou expérimenté l'amour de Dieu, et toi, après avoir goûté à cet amour-là, ta réponse doit se manifester par l'implication que tu dois manifester par rapport à la maison du Seigneur. Qui dit amen? Donc ce ne serait pas normal que tu sois dans l'église pendant 6 mois, que tu n'aies aucune responsabilité à l'église. Ça ne sera pas normal. Ça ne sera pas normal que de venir seulement à l'église pour recevoir la guérison, recevoir la délivrance, recevoir la bénédiction, la libération, you know, la restauration. Mais à eu égard à ces choses-là, toi, à ton tour, tu n'assumes aucune responsabilité. Tu n'es en aucun département. C'est comme si, bon, ça c'est pour les autres. Moi, c'est juste ma délivrance, ma restauration qui compte. Et nous avons vu que si nous aimons le Seigneur, nous devons nous préoccuper de sa maison. Nous devons travailler dans le temple. Nous devons travailler dans la maison du Seigneur. Rentrer dans différents départements. Et le faire avec zèle. Le faire avec motivation. Sachant qu'on ne sert pas un homme. Mais nous sommes en train de servir Dieu. On n'est pas là pour servir Ézéchiel ou Fidèle. Mais nous sommes en train de servir Dieu. Parce que Dieu est invisible. Donc tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu qui est invisible. Alors que son œuvre pour toi, ça ne te dit absolument rien. Non. Tu dois être en action. Tu dois être en mouvement. Dans différents départements et les faire avec zèle parce que tu es en train de servir Dieu, tu lui témoignes ton amour. Alléluia. Je dis alléluia. Et nous avons vu également ensemble avec vous que aimer Dieu, c'est pratiquer ses commandements. Lorsque nous disons que nous aimons le Seigneur, nous devons pratiquer la mise en pratique des commandements du Seigneur est une évidence de l'amour que nous lui témoignons. Donc si nous aimons le Seigneur, nous devons avoir du temps, avoir le temps d'écouter sa parole. Nous devons avoir le temps de méditer à la parole du Seigneur. Nous devons avoir le temps de lire la Bible et de mettre en pratique également la parole de Dieu que nous recevons, que nous écoutons. En cela, nous pourrions dire que nous aimons le Seigneur. Aimer Dieu, c'est mettre en pratique ses commandements. Aimer Dieu, c'est le servir.
Aimer Dieu, c'est l'obéir. Aimer Dieu, c'est haïr les mal. Aimer Dieu, c'est respecter ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Alléluia. Donc, on peut voir avec vous ici que l'amour de Dieu, si nous disons que nous l'aimons, cet amour doit impliquer l'obéissance, le respect et la fidélité à sa parole. Alléluia. Et aujourd'hui, je voudrais aborder dans le sens de l'amour du prochain. Et le dimanche qui suivra, le dimanche prochain, je vais parler, on va voir avec vous les différentes caractéristiques du vrai amour. On va voir finalement que l'amour est au-dessus de tout. L'amour est au-dessus des dons spirituels. L'amour est au-dessus de tout ce qu'on peut vouloir expérimenter dans la présence du Seigneur. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 5, le verset 43 et le verset 48. Ce sont les enseignements du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Matthieu au chapitre 5, le verset 43 au verset 48, que j'inviterai à lire avec moi à haute voix. Nous lisons s'il vous plaît, ready go. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez, verset 46, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense mériterez-vous? Le publicain n'agit-il pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Le païen n'agit-il pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. Et on va nous balancer Matthieu chapitre 22, le verset 39. Matthieu chapitre 22, le verset 39. Et nous reviendrons sur Matthieu 5 qu'on a lu ici. Lisons ensemble à haute voix. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'on peut les relire encore? Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On va les relire encore parce que je voudrais entendre la voix de tout le monde. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Aujourd'hui, c'est l'amour du prochain que nous devons témoigner. Nous avons dit ici que l'amour fait partie de la nature de Dieu. Nous avons dit le dimanche passé que Dieu n'a pas seulement l'amour, mais Dieu est amour. L'amour fait partie de sa nature. L'amour, c'est l'amour est Dieu. Dieu est amour. Et étant des enfants de Dieu, étant nés de la parole de Dieu, nous devons manifester la nature de notre Dieu. Et cette nature, c'est l'amour. Alléluia. Dans les textes ici qu'on a lu dans le contexte de Matthieu chapitre 5, le dernier exemple de la justice supérieure propre au royaume concerne la manière de considérer les ennemis,
un sujet qui fait tout naturellement suite au paragraphe précédent que le Seigneur avait lu ici. Quand vous lisez la parole, vous allez remarquer que la loi dans l'Ancien Testament demandait aux Juifs d'aimer son prochain. Dans Lévitique chapitre 19, verset 18, le Seigneur avait déjà donné ce commandement là, tu aimeras ton prochain. Bien qu'il n'y ait aucun commandement explicite d'haïr ses ennemis, cela faisait souvent de l'endoctrinement. Et cette parole que nous venons de lire avec vous résume bien l'attitude de l'Ancien Testament à l'égard de ceux qui persécutaient le peuple de Dieu. Elle témoignait d'une légitimité hostile envers les ennemis de Dieu. Mais le verset 44, au verset 47 de Matthieu 5 que nous venons de lire avec vous, le Seigneur Jésus désormais révèle que nous devons aimer nos ennemis et nous devons prier pour ceux qui nous persécutent. L'ordre d'aimer montre que l'amour est avant tout l'affaire d'une volonté et non des sentiments. Quand le Seigneur dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous maltraitent, priez pour ceux qui vous persécutent », c'est un ordre. Donc cet ordre-là nous fait remarquer, nous fait réaliser, nous fait comprendre que l'amour dont il est question ici n'est pas lié au sentiment, parce que naturellement, tu ne peux pas aimer quelqu'un qui te fait du mal. Naturellement, ce n'est pas évident de prier pour quelqu'un qui te persécute. Mais ce n'est pas évident du tout, naturellement. C'est de la mer à boire de prier pour quelqu'un qui te souhaite du mal. Alléluia. Donc c'est par là que nous comprenons que l'amour dont il s'agit ici, c'est pas l'amour philéo qui est manifesté par des sentiments, des gestes d'affection, mais l'amour dont il est question ici, c'est l'amour agapé. Cet amour qui dépend d'une volonté. Cet amour qui se manifeste par une volonté, par une détermination, par une volonté de vouloir du bien même à mes ennemis. Parce que les enseignements sur l'amour, ici là, dans le texte que nous avons lu, c'est pas un apôtre Paul, c'est pas seulement Pierre. Ici, c'est les enseignements de Jésus lui-même. C'est ce que le maître a enseigné. Donc ça, ce sont des enseignements, on ne peut pas discuter avec ça. C'est Dieu lui-même qui a pris la chair humaine, qui est venu parmi nous, voyez et remarquez ce qu'il enseignait. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Waouh, ça c'est un amour avec une grande volonté. Cet amour est différent de l'affection naturelle, comme je disais ici, parce qu'il n'est pas naturel d'aimer ceux qui nous haïssent, ceux qui nous font du mal, ceux qui nous blessent. Mais l'amour dont il s'agit ici est le fruit d'une grâce surnaturelle. Cet amour-là d'aimer nos persécuteurs, d'aimer ceux qui nous font du mal. Cet amour-là dont il est question, c'est le fruit d'une grâce surnaturelle manifestée par ceux qui ont la vie divine. Donne-moi un bon amen ici, là. Donc c'est l'amour qui est un fruit du surnaturel. Quelqu'un qui a rencontré la vie de Dieu, qui a été transformé par la parole de Dieu, qui a été visité par le Seigneur, il va développer cet amour-là, même envers ses ennemis,
Parce que cet amour sera le fruit du surnaturel. Naturellement, il ne peut pas aimer ses ennemis. Naturellement, il ne peut pas bénir ceux qui lui font du mal. Mais tellement que ce frère, tellement que cette sœur a rencontré la vie divine, tellement qu'elle a rencontré le Seigneur, tellement qu'il a rencontré Jésus dans sa vie, il témoignera d'un amour divin envers même ses ennemis. Parce que comme le Seigneur a dit ici, il n'y a aucune récompense à glaner ou à aimer ceux qui nous aiment. Si je dois seulement aimer les gens qui m'aiment, ben il n'y a aucune récompense, parce que c'est tout à fait normal pour moi d'aimer ceux qui m'aiment. C'est tout à fait normal d'aimer les amis qui m'aiment. Ma réponse, mon amour, sera une réponse par rapport à leur amour, par rapport à l'amour qu'ils témoignent à mon égard. Donc ça sera tout à fait normal et naturel pour moi, il va de soi, que d'aimer ceux qui t'aiment. Mais le Seigneur dit ici, à cela, il n'y a aucune récompense. Il n'y a aucune récompense à aimer seulement ceux qui t'aiment. Il n'y a aucune récompense à saluer seulement les gens qui te saluent. Il n'y a aucune récompense. Suivez-moi ici, suivez bien le contexte ici. Il n'y a aucune récompense à cela. De saluer seulement, bon, les gens que je connais, les gens qui m'aiment. Il n'y a aucune récompense. Alléluia. Parce que le Seigneur a dit dans le verset qu'on a lu avec vous que même le publicain, c'est-à-dire les inconvertis, les païens, ils témoignent d'un tel amour. Cet amour n'exige pas une force divine de saluer seulement ceux qui me saluent, de parler seulement à ceux qui me parlent, de bénir seulement ceux qui me bénissent. Il n'y a aucune récompense, parce que même les païens le font. Même les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils le font aussi. Donc, il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire que nous faisons en aimant seulement ceux qui nous aiment. Pas de mérite à saluer seulement les gens qui nous connaissent. Donc le Seigneur est en train de dire ici, si nos normes ne sont pas supérieures à celle du monde, il est évident que nous n'aurons aucun impact sur le monde. C'est comme ça que tu vas voir dans ton milieu de travail, tu ne parviens pas à gagner une sœur qui puisse venir à l'église là où tu pries. Tu ne parviens pas à gagner un frère. Tu ne parviens pas à lui parler de Jésus. Tu ne parviens pas à impacter les gens dans ton environnement, à l'école, au collège, à l'université, à ton lieu de travail. Les chrétiens ne parviennent plus à les faire. Parce qu'on pensait seulement que nous ne pouvons gagner le monde seulement par de fortes prières. Oh, il va sentir que je prie. Mais si tu pries beaucoup, beaucoup sans amour, c'est zéro. Donne-moi un bon amen ici. Là. On a pensé qu'on pouvait gagner les gens seulement dans les parler en langue. D'ailleurs, les parler en langue, personne ne comprendra ça dans ton milieu. Personne ne comprendra ça à ton lieu de travail. Mais si tu témoignes de l'amour, si tu témoignes du zèle, de l'amour, amour agapé, même aux gens qui ne te connaissent pas, si tu salues même ceux qui ne te saluent pas à ton lieu de travail, même au collège, aux universités, si tu parles même à ceux qui ne veulent pas te parler, mon frère et ma soeur, quelque chose de surnaturel tombera sur toi et tu auras de l'impact sur eux et tu les amèneras au royaume du Seigneur parce qu'ils ont vu que ton cœur est rempli plus d'amour. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Donc si c'est pour le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Frère, on ne pourra pas. Le christianisme ou alors l'église ne pourra pas avoir de l'impact dans le monde si nous ne manifestons pas l'amour.
Si nous ne manifestons pas l'amour dans notre environnement, dans notre lieu de travail, si nous ne manifestons pas l'amour, et cet amour peut être manifesté ici, en allant parler même à ceux qui ne veulent pas te parler, à saluer même quelqu'un que tu ne connais pas les noms, mais tu le vois, tu lui dis bonjour. Bonjour monsieur, bonjour ma soeur, bonjour. Juste ce simple bonjour là peut ouvrir une grande porte de l'évangile à quelqu'un. Donne-moi un bon amen ici là. Juste le fait de s'intéresser à cette personne là. Parce que nos normes à nous étant des chrétiens, notre style de vie, notre façon de nous conduire doit être beaucoup plus supérieure, à celle du monde, à celle des païens, à celle des gens qui ne connaissent pas Jésus. Dans notre verset, le Seigneur a dit, quand les gens verront l'amour entre vous, et ils sauront alors que vous m'appartenez, que vous venez du Père, et que le Père est en vous. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Il dit, quelle récompense y a-t-il? Le verset 45, le Seigneur dit dans Matthieu 5, il dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, qui fait pleuvoir. Parce que quand Dieu envoie la pluie, il ne l'envoie pas seulement sur les chrétiens. Vous imaginez ça, vous rendez compte de cela. Quand le Seigneur fait descendre la neige, comme là j'espère qu'on en a fini avec ces affaires de neige là quand même. Je suis fatigué de ces tempêtes là, s'il vous plaît. Mais notez que quand le Seigneur envoie la neige, il l'envoie et sur les justes et sur les méchants. Il ne dit pas, bon, je vais envoyer la neige seulement sur une partie des chrétiens, des gens qui vont à l'église. Quand le Seigneur envoie la pluie, notez que le Seigneur n'envoie pas seulement la pluie sur les croyants, sur les chrétiens. Non, non, il fait lever son soleil, le soleil, et sur les méchants, et sur les justes. Donc il n'y a pas, il ne fait pas de discrimination par sa façon de bénir son peuple, par la présence du soleil et par la présence de la lune. Donc ici, le Seigneur nous appelle à imiter cette qualité de Dieu. Et le Seigneur dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. J'aimerais lire le verset 44. Et le Seigneur dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père, afin que vous soyez des fils de votre Père qui est dans les cieux, qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc là, le Seigneur dit, lorsque nous allons manifester l'amour envers nos prochains, envers nos voisins, envers les gens qui sont dans notre environnement, qu'on les sache ou pas, qu'on ait été, qu'on soit sorti d'une même famille biologique ou pas, quand on va manifester de l'amour envers eux, c'est alors que nous serons des fils de notre Dieu. Donc, selon ce contexte ici, pour être fils et fille de Dieu, tu dois témoigner de l'amour. Parce que le Seigneur fait pleuvoir et sur les bons et sur les mauvais, sur les justes et sur les injustes. Tu peux te rendre compte que même quand les sorciers la sortent pour voler la nuit, donc ils dépendent aussi de la nuit. Parce que quand il fait soir, quand il fait nuit, c'est pas les diables qui amènent l'obscurité, c'est Dieu qui a déterminé les temps comme ça. Qui dit amen? Donc quand ils sortent là, ils veulent que... Bon, les gens qui aiment sortir la nuit pour aller en sorceller, ils aiment le faire la nuit, mais cette nuit-là, c'est Dieu qui appelle la nuit. C'est Dieu qui ordonne que le soleil soit là. C'est Dieu qui ordonne que la lune soit là. Et donc, malgré qu'ils vont faire du mal, mais le Seigneur fait lever son soleil et sur eux et sur nous.
sais pas si vous comprenez cela. Alléluia. Et le Seigneur dit, soyez parfaits. Être parfait ici, c'est aimer ceux qui nous haïssent. C'est aimer ceux qui ne nous aiment pas. C'est les aimer. C'est prier pour eux. C'est prier même pour ceux qui nous persécutent et témoignent. Et témoigner de la bonté envers nos amis, tout comme envers nos ennemis également. C'est là où j'ouvre la parenthèse, parce que nous faisons beaucoup de délivrances ici. Et nous sommes un ministère mettant l'accent sur la délivrance. Mais vous allez remarquer que nous prêchons le plein évangile. Je disais que nous prêchons le plein évangile. Je redisais encore que nous prêchons le plein évangile. Donc on est très équilibré dans ce que nous sommes en train de dire ici. Et nous disons aux frères et sœurs, même si ta tante là est dans la sorcellerie, il y a une révélation qui est venue finalement lors de délivrance ou par une prophétie. Même si ton père, même si grand-mère, même si quiconque serait à la base de ton malheur, toi étant enfant de Dieu, ne développe pas une haine contre lui. Ne développe pas la haine contre ce grand-père, contre ce parent-là qui te fait du mal. Toi ne développe pas la haine. Parce que si tu développes la haine, de toute façon, cette haine sera une porte ouverte à ces forces des ténèbres de continuer à faire leur travail en toi. Je dis alléluia. Je dis encore alléluia. Ça, c'est parmi les éléments qui favorisent la délivrance dans la vie de quelqu'un. On faisait la délivrance quelque part. Il me dit, ah, j'ai appris finalement, c'est mon père. Pasteur, je vais l'appeler. Je vais expliquer à mon père que je sais maintenant tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je vais lui expliquer, il me comprendra. Je lui dis, frère, ce n'est ni par la force humaine, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance. Qui dit amen? Tu n'as pas à l'appeler parce que le combat n'est pas physique. Le combat n'est pas charnel. Garde cette révélation-là pour toi. Qui dit amen? Oh, je dis encore, qui dit amen? S'il veut se repentir, Dieu peut les pardonner. Mais s'il ne veut pas se repentir, c'est son affaire avec Dieu. Mais toi, n'ouvre pas une porte qui puisse entraver le processus de ta délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le Seigneur dit, soyez parfaits. Soyez parfaits, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. La perfection dont il est question ici est la maturité spirituelle qui rend les chrétiens capables d'imiter Dieu qui accorde ses bénédictions à toute la créature sans partialité, sans discrimination. Dieu est amour, nous devons l'imiter en manifestant l'amour ou de l'amour envers notre prochain, envers nos frères et sœurs qui nous entourent. Alléluia. Et l'amour qu'on doit témoigner à nos prochains doit être un amour agapé. L'amour qui dépend de la volonté. L'amour qui peut se sacrifier pour l'autre. L'amour qui peut se sacrifier pour les intérêts d'une autre personne. L'amour qui peut se sacrifier pour les bénéfices d'une autre personne qui n'est même pas mon frère biologique, qui n'est même pas ma soeur biologique, qui n'est même pas mon père biologique. Mais l'amour qui peut se sacrifier, ça c'est l'amour sacrificiel, c'est l'amour agapé, c'est l'amour qui découle de la nature de Dieu, dont la Bible déclare quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné, qu'il a envoyé, qu'il a sacrifié son fils unique afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour que Dieu avait, ou l'amour que Dieu est, et l'amour que Dieu a envers nous, est un amour sacrificiel qui l'a poussé à se sacrifier. Oh, si c'est pour le Seigneur, mais acclame bien le Seigneur. C'est l'amour agapé que nous devons manifester. Le ministère de la délivrance n'est pas là pour favoriser la haine que tu dois manifester envers quelqu'un. Non.
père, vous savez combien de gens avec qui nous ici on a mangé, mais qui étaient de grands sorciers. Et des fois je parle de la mort de mon père, la mort tragique de mon père. You know. Mais on a reçu des gens méchants dans la maison. On a reçu de grands sorciers. Mais on avait 5 ans, 4 ans, on était des enfants, on ne savait même pas. Mais maintenant, à la lumière de ce qu'on sait maintenant, donc nous réalisons, je réalise, ah, tel cousin là, oh lui il était sorcier, waouh! Mais je ne priais même pas, donc, mais dans l'amour du Seigneur, par sa grâce, par son amour, il m'a protégé anyway, il m'a gardé alors que je n'avais même pas prié, parce que je ne savais pas comment prier, je ne savais pas encore les choses de Dieu. Donc j'ai eu à manger aussi avec des sorciers, mais qui n'ont pas pu m'envoûter. Oh, acclame un peu le Seigneur bien. Qui n'ont pas pu me toucher. Donc, il y a la souveraineté de Dieu qui est là aussi. Alléluia. Il est Jéhovah Adonai, le souverain des souverains, qui fait ce qu'il veut, au moment qu'il veut, avec la personne qu'il veut, à la saison qu'il choisira. Parce qu'il est Dieu, anyway. Donc, même le diable, il a des limites que Dieu a tracées, a mis sur lui. Lisez l'histoire de Job, vous comprendrez cela. Il a dit à Job, oh, vas-y, touche à ça, touche à ses biens, touche à ceci, mais ne touche pas à sa vie. Donc je t'empêche, je t'interdis de le tuer. Même si tu oses, tu ne pourras pas, parce que mes yeux sont sur mon serviteur Job. Donc même les sorciers, quand ils nous attaquent, même quand le monde des ténèbres peut nous attaquer, ils ont des limites. Je disais qu'ils ont des limites. Je répétais qu'ils sont limités. Ils sont limités dans leur stratégie. Ils sont limités dans leurs affaires. Ils sont limités dans leurs projets. Ils sont limités. Alléluia. Je dis alléluia. Le diable est une créature. Il a été créé. Mais notre Dieu n'a jamais été créé. D'âge en âge, il est Dieu. De génération en génération, il est Dieu. Il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. C'est ce Dieu-là que nous servons. Oh, j'espère que je parle à quelqu'un là. C'est ce Dieu-là que nous servons. C'est ce Dieu-là que nous adorons. C'est ce Dieu-là que nous prêchons. Et ce Dieu-là, il est amour. Non, on ne pense pas si on parle de l'amour de Dieu. On devient naïf. Non, non, je vous ai dit une fois, 97, je me suis retrouvé en Mbujimayi. On est allé prêcher, j'avais 20 ans. Une maman nous a reçus chez elle. 3 mois plus tard, avant que je ne quitte cette maison, je dors comme ça. Il y a des révélations, des fois tu dis, ah Seigneur, mais pourquoi je ne savais pas ça avant quand même? J'aurais voulu avoir l'information avant. Ah. Mais tu te rends compte que, bon, finalement, Dieu t'a protégé quand même. Je dors comme ça la nuit, 14h, il faisait très chaud. Je vois dans une vision claire un ange du Seigneur qui me dit, cette maman-là qui vous a reçu, mais elle est sorcière. Elle cache sa sorcellerie en dessous de la maison. Elle dit, oh, elle cache sa sorcellerie là-bas. Oh, oui, oui, c'est là où elle cache sa sorcellerie. La plupart de mes serviteurs qui viennent dans cette maison ne voient pas cette sorcellerie. C'est là où on a développé l'esprit là. Oh, bon, j'en vois quand même le feu. J'en vois le feu dans des salles de bain. J'en vois le feu en dessous de la maison, l'espace aérien. J'en vois quand même le feu. Parce que l'amour ne m'empêche pas d'envoyer le feu. Ah. Alléluia. J'ai dit, waouh. Un bien-aimé avec qui on était, il revient. Je dis, oh, mais tu sais que je viens de voir que cette maman-là, elle est sorcière. Mais c'est terrible, le lendemain, elle prépare, elle fait le déjeuner. Tu es là aussi, bon, tu n'as pas d'argent. Tu as faim. Tu regardes ce déjeuner là. Oh, dis. Comment me placer dans des positions comme ça? Voilà. Je bois ou je bois pas? Je mange ou je mange? Oh Seigneur! Mais tu laisses, tu vas vraiment crever de faim parce que tu n'as pas d'argent. Tu as 20 ans, tu es un jeune missionnaire dans une province où tu n'es pas né, tu n'as pas grandi. Tu n'as pas vraiment de relation là-bas. Mais l'amour de Dieu est venu nous envelopper.
L'amour de Dieu est venu nous épargner, nous protéger des affaires comme ça. Dieu nous a gardés. Alléluia. L'amour qu'on doit témoigner à nos prochains doit être amour agapé qui dépend de la volonté. Si tu aimes quelqu'un, tu dois manifester de la volonté, une grande volonté pour lui faire du bien. Une grande volonté, de grands efforts, de grands moyens que tu réunis pour faire du bien à cette personne-là. Qui dit amen. De grands moyens. Et il y a aussi des raisons qui peuvent conduire quelqu'un à ne pas aimer. You know, si on peut ouvrir ça, il y en a plusieurs. J'en ai noté quelques-unes ici. La personne qui n'a jamais reçu un amour vrai ou sincère aura du mal à les donner. La personne qui n'a jamais reçu un amour vrai ou sincère aura du mal à les donner, à les manifester. Donc elle a besoin d'une guérison, elle a besoin de réaliser, de s'appuyer sur l'amour de Dieu que le Seigneur a manifesté pour nous. Deuxièmement, il y a aussi les enfants qui n'ont jamais entendu leurs parents leur dire que voilà, je t'aime. Donc, parents, c'est important de dire à vos enfants que vous les aimez. Troisièmement, il peut y avoir la déception, un cœur brisé, un cœur déçu, un cœur brisé, une famille brisée, quelqu'un qui sort d'une famille, a broken family. Il peut avoir du mal à manifester de l'amour, mais il doit se référer à l'amour que Dieu a témoigné pour nous au bois du calvaire. Ou alors c'est lui aussi qui a été blessé d'une manière ou d'une autre. Souvent on parle de blessures intérieures, de blessures du cœur, de blessures qu'on ne voit pas. Et souvent ces gens, des personnes ont de la misère à manifester de l'amour parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Il a reçu les blessures, en retour lui aussi il peut seulement donner des blessures. Mais nous avons intérêt à nous référer à l'amour du Seigneur. Qui dit amen? Donc l'amour agapé que nous devons témoigner envers nos amis, envers nos voisins, envers notre prochain, même quand on ne les connaît pas, même quand on ne connaît pas leur nom, mais nous devons nous intéresser à eux parce que c'est l'une des caractéristiques d'un enfant de Dieu. L'amour est l'un des traits marquants du fruit de l'esprit qu'on peut voir dans Galates chapitre 5, verset 22, verset 23. C'est l'un des traits du fruit de l'esprit. L'amour est une évidence également de la nouvelle naissance. Quelqu'un qui a expérimenté les réalités de la nouvelle naissance, quelqu'un qui a rencontré Jésus, qui dit qu'il a reçu le Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel, doit témoigner de l'amour. Il doit manifester de l'amour parce que l'amour est une évidence que cette personne appartient au royaume de Dieu. Alléluia. Je dis alléluia. Et nous avons la responsabilité de les développer, de développer cet amour envers nos prochains, cet amour envers nos voisins, cet amour envers ceux que nous ne connaissons pas. Par exemple, combien de gens ici, si je prends une sœur comme ça par hasard, je dis qui connaît les noms de cette sœur? Qui connaît son prénom? Tu vas voir qu'on peut les démontrer ici, là. On est là, je ne sais pas combien. Je vais prendre un frère au hasard. Qui connaît son prénom? Qui connaît comment elle s'appelle? Est-ce que tu connais le prénom de la personne qui est à ta gauche ou à ta droite? Comment peut-on faire 6 mois dans une église, 1 année dans une église, sans savoir les noms de la personne qui est à ta gauche ou à ta droite? Je ne vais pas embarrasser comme les gens commencent à voir, oh oui, je connais ce nom-là, je connais ce nom. Non, je ne parle pas des gens que tu connais, que tu vois chaque jour. Mais je peux prendre un nom. Je vais prendre une personne par hasard. Dit, qui connaît les noms de cette soeur-là? Qui connaît les noms de ce frère-là? Qui l'a déjà salué? Vous allez voir souvent à la fin de la réunion, nous saluons seulement entre nous, les gens avec qui on a l'habitude de se voir chaque jour. Ah, comment ça va? Ah, c'était bien. Bon, je venais chez toi. Mais la soeur qui est à ta gauche, est-ce que tu connais son prénom? Est-ce que tu connais son nom? Est-ce que tu sais
sais les problèmes qu'elle traverse au moment où nous parlons. Alléluia. J'ai dit alléluia. L'amour agapé doit s'intéresser à ses voisins. Il doit s'intéresser à ceux qui sont à sa gauche ou à sa droite, dans son milieu, dans son environnement. Amour agapé s'intéresse. L'amour agapé manifeste une grande volonté. Il fournit de grands efforts. You know, il est prêt à se sacrifier pour l'intérêt ou pour le bien-être d'une sœur que je ne connais même pas. Pour le bien-être d'un frère que je viens de rencontrer. Pour le bien-être de quelqu'un qui n'est pas originaire de mon pays. Parce qu'en Christ, il n'y a pas ces affaires-là. Oh voilà, il vient d'Haïti. Oh, il vient de la Côte d'Ivoire. Il vient du Mali. Il vient de tel pays. Il vient de telle région. Il est blanc, il est noir. La Bible dit, en Christ, nous sommes tous un. Il n'y a point de juifs. Il n'y a pas de juifs. Il n'y a pas de grecs. Il n'y a pas de congolais. Il n'y a pas de maliens. En Christ, nous sommes un. Alléluia. Un bien-aimé là est sorti de l'église, commence à dire, bon, tu vois, quand je ne suis pas vraiment de leur pays, c'est waouh. Est-ce que nous, quand tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, tu ne fais pas du bien à quelqu'un parce que vous venez de la même région, parce que vous venez de la même tribu, parce que vous avez la même couleur de peau? Non, 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 non. Une telle personne n'a pas rencontré le Seigneur. Une telle personne n'a pas rencontré Dieu. Une telle personne n'a pas rencontré Jésus. Mais celui qui est né de Dieu, il témoignera de l'amour. Un tout dernier verset que je voulais donner ici avant que nous puissions partir, mais je l'ai donné le premier dimanche dans 1 Jean chapitre 4, le verset 7, 8, 9. 1 Jean chapitre 4. Que nous pouvons lire ensemble avec vous, s'il vous plaît, à haute voix. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Je peux me limiter un peu là. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Regarde celui qui est à ta gauche là, ou à ta droite. Dis-lui, la Bible dit, mon frère, ma soeur, aimons-nous les uns les autres. Dis-le à celui qui est à ta gauche ou à ta droite. Tu vois, tu ne dis pas, toi tu me regardes. Je dis, regarde celui qui est à ta gauche ou à ta droite. Dis-lui, aimons-nous les uns les autres. Je ne parle pas de l'amour. Oh, bon, tu vois une soeur, tu lui fais des clins d'œil. Ah, le pasteur a dit qu'on doit s'aimer. Non, non, s'il te plaît. That's not necessarily the kind of love I'm talking about here. Tu veux aimer quelqu'un, la prendre en mariage, le prendre en mariage, joue tes cartes à toi. C'est pas. Oh non, le pasteur a dit non, non. Ça c'est l'amour agapé. Qui dit amen? Bien aimé, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Donc l'amour est de Dieu, l'amour vient de Dieu. Le diable n'a pas l'amour. Et vous allez le constater dans les délivrances. Qu'est-ce que vous faites dans sa vie? Les détruire, les tuer, les bloquer. Et c'est toujours comme ça, c'est la même cassette, c'est la même vidéo. Lui faire du mal. L'amour est de Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous aimer les uns les autres. Si tu aimes ton frère, si tu aimes ta sœur qui est à tes côtés, je ne dis pas seulement que vous soyez de la même famille biologique. D'ailleurs, nous, des gens comme nous, là, déjà la famille biologique, quand mon père est mort, on a été déjà, il y avait l'hécatombe était tombée. Donc, il y a des gens qui m'ont aidé, qui n'étaient même pas. D'abord, la personne qui m'a envoyé aux États-Unis, qui m'a envoyé ici, là, n'était pas mon frère dans la chair, n'était pas mon père ou mon oncle ou qui que ce soit. Non, je l'ai rencontré en Zambie, j'ai prêché l'évangile. Cette personne a été touchée et elle m'a dit, je t'enverrai en Amérique. Qui dit amen? Qui dit encore amen? Donc
l'amour, celui qui est né de Dieu, doit témoigner de l'amour. Et quand je parle de l'amour, si tu aimes ton frère, ou mon jeune frère qui est là, ou ma soeur à gauche, à droite, si tu vois qu'il a de la misère, ou bien son bouton, ou bien les boutons de son costume, ou bien chemise a de la misère, tu vas lui arranger ça dans l'amour. Et mon frère, tu as oublié de faire ça. Tu vois une poussière sur sa joue, bien sûr, tu vas lui enlever ça. Si tu as de l'amour. Mais si tu n'as pas de l'amour, tu les laisseras comme ça. Ah, regarde la façon dont il est habillé. Désordonné comme ça là. Ah, il y a des gens vraiment, je ne comprends pas. Il ne sait même pas matcher les couleurs. Il ne sait même pas arranger les choses. Mais si toi tu l'aimais réellement, tu pouvais l'approcher dans l'amour et lui montrer toujours dans l'amour, lui faire des remarques dans l'amour pour voir comment il peut matcher les couleurs. Si toi tu penses maîtriser cette science-là. Si réellement tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas parler derrière son dos. Hein. Tu ne parleras pas derrière son dos. Si tu as des choses à lui dire, tu iras le voir. J'ai des choses à dire à mon frère Claude. Mais le frère Claude ne doit pas l'entendre d'une autre bouche. Oh voilà, les pasteurs Ezekiel a dit ça de toi. Si j'ai des choses à dire au frère Claude, l'amour que je dois avoir envers lui doit les pousser à me saluer. Dis frère Claude, je voudrais qu'on se voie. Après la réunion, à mon bureau. Si j'ai des remarques à lui faire, même mes remarques doivent être basées sur l'amour. Je ne dois pas lui faire des remarques pour le blesser, pour lui faire du mal. Non. Là, ce n'est pas Dieu. Même mes remarques doivent être basées sur amour, pas amour. Quand tu fais quelque chose avec amour ou par amour, ça se verra. Même la personne sentira que bon, tu n'es pas là pour lui faire du mal, tu lui fais du bien. Tu lui donnes des bons conseils pour son avenir. Tu lui donnes des bons conseils pour son mariage. Tu lui donnes des bons conseils pour ses études, pour ce qu'il doit devenir. Alléluia. Tu vas voir que là où il y a un vrai amour, il n'y a pas lieu d'avoir des critiques ou de développer des critiques, de l'hypocrisie envers les uns les autres. Et cela ne fait que fragiliser une communauté. Cela ne fait que fragiliser la force d'une église. Cela ne fait que fragiliser l'église en tant que corps de Christ. Parce que nous ne manifestons pas l'amour. La Bible dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Donc un enfant de Dieu ne peut pas développer de la haine ou des critiques envers son prochain. Le verset 8e, toujours du même verset que nous lisons. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Est-ce que vous avez vu cela? Vous n'avez pas lu ça. Je voudrais qu'on lise ensemble avec vous avant de partir. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc celui qui n'aime pas. Et qui vient, il prie beaucoup, il prie. Ah, on a prié 5 heures d'affilée. J'ai parlé en langue, c'était fort. Les frères avec qui on avait commencé la prière, ils étaient fatigués, mais moi j'ai continué. Mais même s'il prie comme ça des heures et des heures, s'il n'a pas l'amour dans son cœur pour ses voisins, pour son prochain, s'il n'a pas d'amour envers ses voisins ou son prochain, tout ce temps de prière, c'est zéro, alors zéro. Parce que celui qui n'a pas l'amour n'a pas connu Dieu. Il n'a pas rencontré Dieu. Il fait ces choses à lui pour démontrer comment ses capacités de prier, de parler en langue, de prophétiser. Vous savez que même les dons spirituels là, on doit toujours les exercer par amour. On pourra voir ça même les dimanches prochains là. Même si j'ai des révélations, même si j'ai des prophéties, même si j'ai des visions, je dois toujours les faire par amour. Même si je dois prêcher, même si je dois chanter, la base, les mobiles de ceux qui doivent me pousser à prêcher, à faire des campagnes, à faire des séminaires, à faire des délivrances, à donner des visions, ça doit être l'amour. Oh, je parle à quelqu'un ici. S'il n'y a pas d'amour, c'est ma chair à moi. C'est la chair. La chair qui veut se manifester. À moi aussi, je prêche. À moi aussi, je chante. Moi aussi, comme ailleurs, on dit, moi aussi, je suis danger. Danger de quoi? Alléluia.
quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc quand tu manifestes l'amour, c'est une façon pour toi qu'on remarque, oui, cette sœur a rencontré le Seigneur. Vous savez, l'église, les choses, le christianisme ne doit pas être comme un mouvement. Un mouvement, un vent, une vague. Mais non, mais le christianisme, je le dis souvent, c'est l'expérience d'une vie qui a été transformée par le Seigneur. L'expérience d'une vie qui a été transformée, qui a été changée par le Seigneur. Verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Verset 10, et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Et si tu vas à le verset 11, c'est la même chose, bien aimé. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Maintenant, voilà le verset 12. Voilà le verset 12. On est toujours dans 1 Jean, chapitre 4, là, le verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Et si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Et nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné son esprit. Alléluia. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu, mais Dieu, nous savons qu'il est invisible. Personne n'a jamais vu Dieu avec ses yeux physiques. Dieu est invisible. Comment tu vas dire que tu aimes Dieu alors que tu viens d'insulter ton frère qui est juste à tes côtés? Alors que tu viens de critiquer un frère à l'église, dans la communauté, dans ton milieu, dans ton environnement. Mais les dimanches, on vient à l'église, tu élèves tes mains. Oh, je t'adore. Oui, Jésus, je t'aime. Oui, je t'adore. Je t'adore. Oh, Jésus, je t'aime, je t'aime. Oh, mais tu aimes un Jésus que tu n'as jamais vu. Comment peut-on aimer Dieu qui est invisible alors que son voisin qui est là? Tu as de la misère à l'aimer. Et tu manifestes tellement que tu ne l'aimes pas par la façon dont tu les traites. Tu les traites par tes paroles, par tes gestes, par ce que tu dis de lui, derrière son dos. Alléluia. L'amour est une force. L'amour est une personne. Et l'amour est une personne divine. Qui dit amen. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur ici. Je disais, je voudrais qu'on acclame le Seigneur ici. Je disais, je voudrais qu'on acclame le Seigneur ici. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Vous savez, l'amour, on doit le cultiver. On doit le développer. Souvent, de temps en temps, nous faisons des choses. Et quand nous disons cela, c'est pas seulement pour vous. Moi-même, je m'inclus là-dedans. Mais nous devons toujours faire ce que j'appelle l'introspection, un examen de soi-même. Dans ton cœur, qu'est-ce qui m'a poussé à dire ça? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Quel est le mobile? Si ce n'est pas l'amour, c'est zéro. Tu es en train de marcher et d'opérer dans la chair. Nos mains sont levées dans la présence du Seigneur. Je voudrais que tu parles au Seigneur, que tu puisses parler au Seigneur par rapport à cette série d'enseignements qui nous interpelle sur l'amour. Que le Seigneur t'aide, non pas seulement à entendre cela, mais à le pratiquer, à le mettre en pratique. Nous élevons nos voix et nous prions un peu comme cela. Vas-y, kaboka mba ikeketo sakarabave. Élève la voix comme un seul homme. Vas-y, 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 vas-y.
Ne reste pas calme. Je veux que tu parles au Seigneur. Je veux que tu parles au Seigneur. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à opérer dans l'amour. Aide-moi à marcher dans l'amour. Aide-moi à parler dans l'amour. Aide-moi. Que tout ce que je peux faire, tout ce que je pourrais faire. Boka rabakende rebezinga ikote rebevi. Mbarabashando rebekambra kabakando rebezinde. Vambro kende rebesinda rabashando rebekembo. Mbarabashanda rabakando rebesabra kabavaba ikede. Nous avons nos mains levées avant de partir ici. Nous avons quelques 2-3 minutes. Mbaka rabashando rebekanda rabava. Ndaikede me sabro kende rebeshindo rebeve. Je ne viens par ici, viens par là. Oui, viens. Élève tes mains. Élève bien tes mains. Nous avons nos mains levées, nous parlons au Seigneur. La première fois que je t'ai vu, je pense que ça fait pas longtemps que je t'ai vu, mais je suis en train de voir quelqu'un qui est appelé par le Seigneur. Dans votre famille, le Seigneur a lancé son appel sur toi afin que tu puisses le servir. L'appel de Dieu est dans ta vie. Voilà pourquoi tu sens souvent un grand zèle pour les choses du Seigneur. Tu sens un attachement et l'amour de beaucoup lire la Bible, de chercher à comprendre les choses spirituelles. Et le Seigneur a placé cela dans ton cœur depuis quand tu avais 10 ans, quelque chose comme ça, 7-10 ans, cet amour-là a commencé à se développer. Il y a un appel spécial dans ta vie. Je pense que c'est la 3e ou 4e fois maintenant que je te vois. Mais le Seigneur est en train de t'appeler. Je ne te dis pas d'abandonner tes études, continue avec tes études, mais il y a l'appel de Dieu dans ta vie. Toi, tu seras le Joseph de ta famille. Parce que par toi, plusieurs vont voir le salut. Mais je vois que c'est une famille qui prie. Hein, je vois que tu es dans une famille où tout le monde prie. Ben, les parents, ils prient. Tout le monde dans la famille prie, mais il y a un appel assez spécial dans ta vie. Le Seigneur est en train de me montrer ceci. Tu ne devrais pas passer toutes les semaines. Au moins, tu dois prendre un jour par la semaine, dans une semaine, où tu pries, où tu passes le temps en train de prier et jeûner. Et en prenant beaucoup plus de temps comme cela dans la présence du Seigneur, le Seigneur va commencer à déposer des paroles dans ton cœur. Mais nous devons faire un travail d'encadrement. Donc le Seigneur t'a envoyé pour que tu sois à nos pieds et que tu apprennes les choses de Dieu à nos pieds et que nous puissions t'aider à grandir dans les choses du Seigneur. Parce que le manteau de Dieu est dans ta vie. Tu as quel âge là? Hein? 20 ans, tu as 20 ans. Donc à 20 ans, moi j'ai été consacré dans les ministères par mon père spirituel, le patriarche Daniel. Tu vois un peu. Alors si tu viens ici, sois fidèle dans les petites responsabilités qu'on pourra te donner. Sois loyal, sois fidèle et sois obéissant. Le manteau de Dieu qui est sur moi, le manteau de Dieu qui est sur nous. Au fur et à mesure, tu marcheras avec nous. Ce manteau-là va tomber sur toi. Il tombera sur toi. Mais sous une grande supervision. Sous notre grande supervision. Je te dis des très bonnes choses que je vis parce que je ne peux pas arrêter cela. Mais je mets également des garde-fous autour de toi. Tu vois un peu. Bon là, je vais prier pour que le feu de Dieu embrase ton cœur. Nous avons nos mains levées. Que le feu de Dieu embrase ton cœur. Le feu de Dieu là va embraser ton cœur. Donc j'ai besoin de quelqu'un derrière lui rapidement. Frère Raymond, rapidement. Rapidement. Élève les mains, élève bien les mains, jeune homme. Élève bien les mains, élève très bien les mains. Tu vas voir, tes mains vont commencer à trembler. J'ai demandé à toute l'église d'être debout, s'il vous plaît. Donc tes mains vont commencer à trembler. C'est l'évidence du feu de Dieu qui commence à embraser ton esprit. L'évidence de feu de Dieu qui commence à embraser ton cœur. Le feu de Dieu. 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 Nous avons nos mains levées là où nous sommes. Nous parlons en langue. Là où nous sommes, nous parlons en langue. Nous parlons. Nous prions. Nous adorons en français ou en anglais. Mais je voudrais qu'on parle en langue. Abracabra.
Vas-y un peu plus fort avec ça. Barabaka indo le bezi. Maman Denise, je voudrais que tu sois là aussi. Brakabakanda raba. Prends déjà quelque chose pour te couvrir là. Bamba ya pakara. Mbai kende kendo kabraka bamba papa. Like elege. Élève tes mains. Élève tes mains. Sois, oui, oui, juste là. Élève aussi tes mains. Élève tes mains. Donnez là quelque chose à se couvrir. J'ai besoin des gens ici rapidement. Je ne peux pas stopper ceci. Élevez nos mains. Nous élevons nos mains. Là où ceux qui nous suivent à la maison, sur internet, oui, tendez vos mains sur l'écran de votre appareil. Touchez l'appareil, il y aura un transfert spirituel. Il y aura un transfert spirituel. Il y aura un le feu de Dieu est en train de descendre. Le feu de Dieu est en train de descendre. Le feu de Dieu est en train de descendre. Le Seigneur est en train de guérir en ce moment. Quelqu'un qui a lutté avec des mal, je vois des mal, mal au cœur. Tu as eu trop mal au cœur cette semaine ici, mais je vois la main de Dieu qui est en train de toucher ton cœur. Je te parle, tu viens vite ici. Tu viens vite ici, tu viens vite ici. Dans la salle, tu as eu trop mal au cœur, mais le Seigneur veut te guérir. Alors le feu, fire! Laisse-les comme ça. Brakando kendo de mesinda la bava. Mbai kende de mesinda kandaike. Vike de bevaye. Donnez-moi le fond là. Jouez ce fond là fort. Mbarabakando de bekinga. Mbarabakando de besio. Mbai kende de meji. Ndarabashando de bevi. Mbore me sanda rabava. Mbakata rabasando de bevi. Yaka, yaka raba. Bere besie. Parlez en langue, vous qui êtes dans la salle, parlez en langue à haute voix. Kindo rebezi. Kambo remeji ke rebevi. Oh my God, my God, my God, my God. Dis à ta femme de venir rapidement. Dis à ta femme de venir rapidement. Viens rapidement. Viens rapidement, enlève les lunettes, viens rapidement. Sore bevio. Fombore beike de bevi. Fambore beike de bevi. Marabashando de bevi e kere bevi. Fambarabaya. Mbore beike de bevi. Venez rapidement, par là, par là. Mbore bekio kere mesie. C'est juste un esprit de mort que je dois chasser ici. Mais maman Denise, Dieu t'a donné la victoire sur un esprit de mort qu'on a voulu envoyer contre toi. Mais le Seigneur t'a donné déjà la victoire. Et je suis en train de voir un don de prophétie qui est en train de sommeiller en toi. Élève tes mains parce que quand tu étais enfant, tu entendais la voix du Seigneur. Mais cette voix a été enterrée par les soucis. Mais tu as entendu la voix du Seigneur. Non, si son mari est là, il confirmera ça. Mais je vois, elle a entendu la voix du Seigneur. Mais après, la voix du Seigneur a été enterrée, obscurcie. Parce qu'il fut un temps où tu avais trop de soucis. Donc le Seigneur veut réveiller ces dons-là. Oh my God, c'est un dernier. Le Seigneur veut réveiller ces dons-là. Panika, baba, baba, baba. Ndorebekio, karabasha. Ndai, nere. Ouvrez la vite, c'est Bekento de Bézi. Seigneur, viens réveiller ce don-là. Ndarabashando de Bévi. Ah, ça c'est impartation. 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 Que ce don-là de la prophétie que je vois se réveille en toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Élève les mains, élève les mains. Élève les mains ici, élève juste les mains. Ouvre la bouche, je chasse. Je chasse toute conspiration de la mort. Tout esprit de mort qu'on t'a envoyé depuis les îles, je le détruis. Maintenant, lâchez-la. Maintenant, 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 maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Si vous avez ces chants, allez-y avec ces chants-là. Nos mains sont levées, Kaika la Bava. Fimbekendo rebezie. Kore
Messia Mbrakato. Je chasse toute forme de maladie. Je chasse toute forme de fermeté. À ceux-là qui nous suivent sur YouTube, sur Internet, je le détruis. Je le détruis. Je le détruis. Je le détruis. Et là ici, dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Aidez-les à se lever. Dans les noms de Jésus. Ta fidélité. Le Seigneur est en train de libérer plusieurs. Je chante. Le Seigneur est en train de libérer plusieurs. Le Seigneur est en train de libérer plusieurs. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai. Je chanterai. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Lève la main droite. Dieu te fait bénéficier ça. Appelez-moi, 2-3 minutes, appelez-moi dans le nom de Jésus. 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 Cet après-midi. Cet après-midi. Je refuse. Je refuse. Toute forme de maladie. Toute forme de maladie. Je refuse. Je refuse. Toute programmation. Programmation. Du monde et de ténèbres. De ténèbres. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Dans mon corps. Dans mon corps. Dans mon âme. Dans mon âme. Dans ma vie. Dans ma vie. Je le refuse. Je le refuse. Au nom de Jésus. 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 Maman Lina, je devrais le faire parce que vous avez dit que. Prenez quelque chose rapidement, venez quand il y a l'onction ici. Tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle. Venez vous agenouiller là, je vais vous bénir. Soutenir la campagne qui arrive. Agenouillez-vous, je vais oindre tes mains, je vais déclarer des paroles de grâce. Alors que nous chantons avec la foi, alors que nous chantons, je vais la bénir. Je vais te bénir. Oh, tu es fidèle. Moi, je sais que tu es fidèle. Je chanterai. Je chanterai.